Alors coucou les amis, donc dans la nouvelle vidéo, je vous retrouve pour faire le sexage de poussin sur un poussin et quand il y a l'œuf juste. Donc sur le poussin, c'est simple. On va prendre l'aile comme ceci. Et regardez, donc là il s'agit d'une poule car on voit deux rangées d'ailes différentes. Si celle du dessus est plus petite que celle du dessous, ça veut dire que c'est une poule. Plus, deuxième solution, il y a un trou de plume au milieu, comme ceci. Donc il faut faire ça quand le poussin a moins de 3 jours. Donc là je vais le remettre à sa mère qui va s'inquiéter. Hop. Car sinon on ne pourra pas trouver, car les plumes auront déjà bien grossi. Donc voilà, ça c'est sa mère. Voilà, et donc on va tout de suite passer sur la vidéo, donc sur la suite de la vidéo où on voit comment sexer un œuf, savoir si ce sera une poule ou un coq. A tout de suite. Et donc on se retrouve pour la suite de cette vidéo, donc avec 3 œufs d'une même poule. Donc pour ça, pouvoir sexer les œufs quand donc ils sont pas encore mis en couveuse ni sous une poule, il faut que ce soit les œufs d'une même poule surtout. Donc moi j'ai pris des gros œufs là. Voilà. Et donc c'est pas la peine qu'ils soient mis en couveuse encore. Donc après c'est pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Donc les œufs ronds comme ça, comme cela, faire un petit coq, il y a beaucoup de chance. Et les œufs plus pointus comme ceci vont faire plus des poules. Donc voilà, celui-là je sais pas trop, on pourrait dire une poule parce que c'est quand même plus pointu que celui-là. Et voilà, et donc celui-là ce sera sûr que c'est une poule. Après, on peut faire ça avec d'autres œufs. Donc, par exemple, je vais vous prendre deux œufs un peu plus durs à trouver. Donc, comme cela. Donc, ça, c'est des œufs de même poule. Et donc, là, on a du mal à voir la différence car ils sont à peu près pareils. On voit que celui-là est plus arrondi. En sachant que si on compare avec un autre œuf d'une même poule, parce que là on dirait qu'on pourrait dire que ce sont tous les deux des poules, on voit que l'œuf de poule est quand même plus pointu. Donc celui-là ce serait un coq et celui-là pour les poules. Voilà pour les œufs. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire pour savoir, pour avoir des renseignements sur comment sexer un poussin. Et de vous abonner à ma chaîne. Donc je fais plein de vidéos de poules sur Vivi61. Bye!